Bonjour à tous et bonjour à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Hardcore Gamer. Aujourd'hui nous allons traiter de Need for Speed, oui. Most Wanted. De Ned. Non, c'était Ted la peluche. Alors pour cela, je suis accompagné de Mister Météo. Oui, bah oui, tant qu'à faire, je te présente. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, Need for Speed, il est sorti, là, fin octobre aussi. Alors, pour nous, clairement, c'est un burn-out caché. Non, mais faut pas déconner. Alors, faut savoir que c'est Criterion qui l'a fait. Criterion, c'est les papas de Burnout. Et clairement, c'est un Burnout, quoi. Enfin, ça reprend exactement le critère Burnout Paradise, mais où ils mettent Burnout, ils ont mis Need for Speed. Ouais. Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît, oui et non. Déjà, refaire un Most Wanted, alors que le Most Wanted était sorti en 2005, je vois pas trop l'intérêt, ils auraient pu l'appeler autrement, enfin... Oui, déjà, oui, c'est vrai que... Déjà, rien que l'appeler autrement que Need for Speed, puis Burnout, Most Wanted, j'y vais, un truc. Ah bah, autant changer, hein. C'est clair, tant qu'à faire. Bon alors, les points positifs, de nombreuses voitures, alors pour l'instant, moi j'ai trouvé des Lamborghini, des Mercedes, des Lancia... Alors là, t'as combien de temps de jeu pour combien de voitures trouver? Alors là, je dois avoir peut-être 2h30, 3h de jeu. Pour l'instant, je l'ai pas encore fini. Hein. Je suis loin d'avoir terminé. Mmh. C'était, enfin, je trouvais ça intéressant de nous faire déjà une vidéo là, alors que je l'ai pas fini, quoi. Parce que pour moi, mon avis est déjà tranché. Ouais. Oui, bah, il est pas mauvais, hein, loin de là. J'ai pas encore dit ça. Alors, des courses variées. Donc, on a 3 types de difficultés. On a facile, normal et difficile. Plus des courses pour battre nos records, mais aussi les personnages qu'on doit battre pour être le meilleur, le most wanted. Donc bon, plutôt ça va, enfin ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de reprendre la... Désolé pour le retour, je retrouvais les touches, t'es un peu rouillé. Oui, je fais ce que je peux. Donc du coup voilà les most wanted, là je suis au level 8, il y en a 10, bon je suis voilà, j'ai pas trop avancé, mais ça avance quoi. Non, sur 10. Oui, ouais. Je l'ai pas, franchement là qu'on enregistre, je l'ai pas depuis très très longtemps et bon, les Need for Speed, je suis quand même assez fan quoi. Généralement, je les fais de long en large. Donc ça va se faire. Et les Burnout ? Une Burnout, je suis un peu moins fan. les graphismes qui sont très jolis, les voitures sont très bien modélisées. Alors le bémol, c'est pourquoi ne pas avoir une vue intérieure. Je sais pourquoi, mais bon. Burnout, il n'y a pas de vue intérieure. Ah ouais, c'est vrai, oui. Difficulté correcte, c'est plutôt bien adapté donc avec les difficultés des courses. L'IA très agressive. Si vous croyez que vous allez tracer tout seul comme un grand devant, vous rêvez. Encore un truc de burn-out, mais bon, vous collez des tac down, donc faites gaffe au cul. La taille de la map qui est sympa, et surtout on se balade énormément. Alors moi, j'ai passé aussi plus de 2 heures à me balader, enfin plus de 2 heures de jeu, et je suis level 8 parce que j'ai profité en fait du jeu pour me balader. Faut savoir que quand on se balade, il y a des véhicules qui sont planqués à peu près partout, et dès qu'on s'approche du véhicule, on peut rentrer dans le véhicule, et le véhicule nous appartient. Il y en a plus d'une centaine de véhicules comme ça à récupérer. Et c'est à cause de ça que moi j'ai pas plus continué le jeu, je me suis plus baladé à essayer de trouver tous les véhicules. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant parce que en plus, enfin, il y a vraiment de tout quoi. On peut piquer un véhicule de police hein, qui était arrêté. Non, on peut pas piquer un véhicule de flic. Ah oui, un autre truc qui est assez rigolo aussi, c'est les radars. Alors, faut signaler aussi qu'il y a encore l'autologue sur celui-là, donc ce qui permet de mettre en ligne en fait le record par rapport aux joueurs amis du jeu aussi. Donc là, arrivez pas, pour l'instant il n'y a personne. Donc les radars sont cool, le jeu est joli, le système aussi, alors voilà, donc on est passé devant un garage, ça nous permet de nous réparer et nous changer de couleur. Ce qui permet logiquement aux flics de moins nous faire chier, ce qui n'est pas le cas, enfin moi à chaque fois que je le fais, il y a un flic pas loin et je me fais hyper. Bon, peut-être que j'arrête de faire du 200 aussi dans les villes, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Donc, des points négatifs, la bande son qui est pas bonne, enfin, moi en tout cas je l'ai pas trouvé vraiment, j'ai joué, enfin, au bout d'une demi-heure j'en avais marre des musiques, j'ai viré le son, j'ai préféré écouter ma musique. Les flics omniprésents par contre, il y en a partout, ils sont assez durs à se défaire, mais ça c'est pas un point négatif, hein. C'est cool, même si on en chie quoi.
Pouvoir changer de véhicule grâce au hub. Alors en gros, il suffit d'appuyer sur deux touches et on a le droit à choisir tout nos véhicules et on saute directement dans le véhicule. Bah c'est sympa, mais moi j'aurais préféré un garage. Je suis peut-être un peu trop. Bah là c'est pas du burn-out. C'est vrai que burn-out, t'es obligé d'aller dans un garage. Ouais, mais là clairement, ils ont voulu faire une différence tiens, pour le truc. Mais clairement, j'aurais préféré aller dans un garage ou d'autre part, enfin un endroit pour choisir ses véhicules. Mais tu as atterri au même endroit ou pas? En fait, tu choisis la zone, enfin t'as une zone où le véhicule est, et tu choisis. Généralement, t'as une ou trois zones, quoi. Ah oui. Et tu choisis dans quelle zone tu veux être. Mmh. Donc l'autolock est pas top top. Toujours les mêmes phrases pour les flics. Alors en fait, quand ils nous poursuivent, ils nous sortent toujours les mêmes phrases. Bon, au début du jeu, c'est sympa, hein. Mais au bout de 5-6 fois où ils nous disent « Oh, vous avez les chevaux sous le moteur » ou « Ce mec, c'est pas, il est pas en vacances », c'est bon, quoi, on a un peu marre. Soit vous sortez des phrases, d'autres phrases, soit vous fermez la gueule, vous fermez vos gueules, quoi. Enfin, c'est un truc qui m'a gonflé. Un autre truc qui est rigolo, je viens d'y repenser, c'est le fait de pouvoir rouler dans les égouts. Il y a une petite zone en fait, des égouts ouverts, comme souvent aux États-Unis. Et en fait, cette zone-là, moi je me suis déjà amusé à faire une course-poursuite avec les flics avec. Et c'est vrai que ça c'est rigolo parce que du coup, ça finit en cul-de-sac. Et moi j'ai fait un vilain demi-tour pour me barrer et les flics sont tous bouffés le truc. Donc c'est un peu con, mais sinon c'était assez drôle. Sinon, bah le jeu à part ça, bam! Des accidents souvent parce que du coup voilà, ils ont repris aussi le truc de burnout avec les panneaux d'affichage. Vous voyez justement le hub dont je parlais pour choisir les véhicules. C'est vraiment c'est chiant parce qu'on s'amuse à les péter, mais généralement on finit en accident. Oui, bah c'est souvent le cas. Vous voyez un peu tout ce qu'on a. Là, on a et comment Nissan. Tu débloques Alors on débloque les performances des véhicules, ouais. Tout simplement en réalisation des courses. Quand vous finissez premier, vous avez le droit à deux modifications aux voitures. Ça peut être donc les pneus, le boost, le châssis, la carrosserie et la transmission. Vous voyez, là donc c'est différentes courses. Donc ça va assez vite, hein. Moi ma Lamborghini, maintenant elle a les pneus tout gonflants. Ce qui est vraiment pratique parce que les flics ils balancent des hers, à pas oublier. Elle a quoi, Nitro Pro. Alors c'est pareil, en fait pour passer au niveau pro dans les améliorations, il faut faire tant de drift ou tant de. Enfin, on a des conditions spécifiques pour passer pro pour la condition pour l'amélioration du véhicule. Donc ça c'est sympa, ça change un peu et puis ça oblige plus ou moins, mais on le fait naturellement en fait en conduisant. Ça nous améliore le truc. Par contre, faut penser que quand vous voyez le truc, vous êtes passé en pro pour le nitro, bah faut retourner dans le menu, le passer en pro, sinon il sera pas en pro, il sera en normal. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est le genre de truc que je trouve ça un peu, enfin c'est un peu con quoi, ils auraient pu nous le dire et nous le passer directement en pro. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Hein. Personnellement, moi, la note, elle va être de 3 sur 5. Parce qu'il est loin d'être vilain, il est loin d'être nul, il est bien. Après, en termes de jeu, je pense facilement en... Bon, allez, quoi... Ouais, 8 heures, je pense que j'aurais fait le tour du jeu. Ou encore, ouais, t'auras pas tout fait, mais t'auras vu une majorité. Quoi. Ouais, et puis bon... Après, ça peut monter beaucoup plus. Après, oui, et puis bon, c'est toujours marrant de se taper des courses ou de se balader en ville et essayer de faire chier les flics en pétant tout ce qu'on trouve. Parce que les radars, on peut les exploser, les feux, on peut les exploser, on peut quasiment tout péter. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui sont... Enfin, le décor, on peut pas le péter, quoi. C'est pas... Comment ça s'appelait, ce jeu ? On peut déclencher des explosions... je sais plus. J'ai peur de dire une bêtise. Il y avait un jeu où on déclenchait des explosions si on était pas loin avec une bombe et tout. C'est loin d'être le cas, hein, pour celui-là. Le truc est planté. Oui, c'est... Je me souviens plus de lui. Un truc qui est marrant aussi. Donc, question, on a de la route normale. Là, vous voyez, on est dans une zone industrielle. Mais on a aussi de la plage. Et en fonction du véhicule que vous avez, la plage, ça peut être un piège. Moi je m'en souviens, j'avais fait cette course là, en fait on passe sur la plage, et après j'avais les flics au cul, parce que je me suis mis un petit peu, et j'avais un véhicule qui est un tout petit buggy,
mais enfin c'est pas un buggy, c'est une voiture de course farcie en buggy quoi, et c'est juste horrible quoi, le truc il patine à mort là-dedans. On voit en fait que les différentes structures permettent aux véhicules plus ou moins puissants et autres de se diriger différemment. Quand vous êtes sur l'asphalte, pour une grosse berline, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous passez dans les chemins de terre, chemins de boue, bah vous voyez que le comportement du véhicule n'est pas le même. Bah déjà, même là, on voit justement, même au niveau des graphismes, que ça, avec la boue, il y en a partout. Quoi. Ouais. Alors, par contre, c'est un gros défaut, c'est la luminosité. Là, vous voyez clairement, le soleil, on voit que dalle. Bah, il est beau, il est... Je suis en train de chercher le pare-soleil sur mon écran, là. À tel point où c'est chiant. Bon, c'est vrai que les effets de lumière sont super beaux, mais ça c'est vraiment un point qui m'énerve, quoi. Ce genre de conneries, ça sert à rien. Bon, bah sinon, c'est un bon jeu à posséder. Alors pour les fans de Need for Speed, pour moi c'est pas un Need for Speed, c'est un Burnout caché. Hein. Je vous le répète, mais ça c'est pas la même chose. Et ben sur ce, on va vous laisser. Mais oui. À moins que t'as un commentaire à ajouter. Non, ça m'intéresse. Oui, bah ça. Vu que j'ai pas fait de burnout depuis belle durée, mais bon. C'est pas un burnout, c'est un Need for Speed. Oh, mais c'est pareil. Oui, je sais. C'est pour pas... Pour un novice que je suis, de toute façon. Moi, tu vas bien te triper avec celui-là, franchement. Oui, c'est surtout ça, c'est de s'amuser. Ouais. Bon, allez, sur ce, au revoir. Au revoir. Attention, le suspect a changé de voiture, maintenant poursuite.